Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Suite à ma dernière vidéo, et comme vous savez maintenant que je travaille dans les ressources humaines, eh bien on va parler aujourd'hui de ce qu'il faut mettre sur le CV et à quoi sert chaque élément, mais tout ça après le générique. À part les CV papier, il y a les CV vidéo qui se sont développés dernièrement. En fait, le candidat se présente pendant quelques minutes lors d'une vidéo. Il y en a qui peuvent ne pas être à l'aise à la caméra et qui vont préférer les CV classiques en papier. Mais si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à faire les deux, le CV papier et le CV vidéo, qui permettra aussi de vous connaître à travers votre présentation, voir comment vous vous exprimez, comment vous réagissez, etc. Libre à vous de choisir ce que vous préférez. Tout d'abord, pour faire un CV, eh bien, il nous faut un modèle. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas trop d'inspiration. Et pour vous aider sur ça, il y a plusieurs sites. Notamment Canva, où il y a des modèles dont on peut s'inspirer, sur Word aussi. En fait, laissez libre cours à votre imagination. Et comme vous devez le savoir, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV. Et c'est bien de se différencier par votre originalité. Par exemple, moi, pour évaluer mes compétences, je mets des petites étoiles et je colorie. Par exemple, si je suis forte à ça, je mets 5 étoiles. Si je suis plutôt moyen, 2 étoiles, 2 étoiles et demie. Pour les passions, j'aime les voyages, je mets un petit avion au lieu d'écrire voyage. J'aime les séries, je mets, vous savez, le clap pour le cinéma au lieu d'écrire cinéma. Et en fait, c'est ça qui va caractériser votre CV et qui va attirer l'attention. N'hésitez pas aussi à jouer sur les couleurs, sur la police. Et si vous êtes en communication, par exemple, vous devez le voir sur LinkedIn. Il y en a beaucoup qui s'inspirent des affiches Netflix, des logos Facebook, etc. pour faire leur CV. Et je trouve ça hyper génial. Tout d'abord, il y a un grand débat sur la photo. Est-ce qu'il faut mettre la photo? Est-ce qu'il ne faut pas la mettre? Personnellement, je crois qu'il faut la mettre parce que ça donne un aperçu sur le candidat. Et je vous conseille de mettre une photo pro, mais où vous souriez, comme ça, ça donne un air aimable du coup sur le CV. Y en a qui préfèrent ne pas la mettre, c'est totalement personnel comme avis, mais personnellement, je vous conseille de la mettre. Ensuite, les expériences professionnelles. Il y en a qui mettent juste l'intitulé de leur poste plus le nom de l'entreprise. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre les missions que vous avez faites sur chaque poste. Parce que si vous avez vu ma précédente vidéo, en fait, quand on recrute pour un poste, eh bien, on a une fiche de poste à côté et on a les missions que chacun doit mettre. Et en fait, quand vous décrivez les missions que vous avez fait sur le poste, ça nous permet de voir si vous avez fait des tâches équivalentes à ce qu'on demande pour le poste ou les mêmes tâches. Et du coup, ça nous sert à évaluer votre CV et valider ou pas votre candidature pour votre bien, pour tout simplement évaluer est-ce que le poste vous conviendra, est-ce que vous allez vous ennuyer ou est-ce que c'est un poste qui vous ira. On va passer aux langues. Il y en a qui mettent pas les langues sur leur CV, mais je trouve que c'est hyper important de les mettre. Parce que par exemple, si on veut vous recruter sur un poste international, bah, on va forcément vous demander un niveau en anglais, en espagnol ou dans une autre langue. Et je trouve ça primordial de mettre votre langue et votre niveau
courant, intermédiaire, bilingue, parce que ça permet de voir si votre niveau de langue correspond aux recherches sur le poste. Il y en a qui vous disent de mettre vos passions, il y en a d'autres qui vous disent ne mettez pas votre passion. Mais à mon avis, bien sûr, il est intéressant de mettre votre passion. Pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement, je vais donner mon exemple. Moi, j'aime bien regarder les séries et je regarde vraiment de tout, du Bollywood, du turc, des K-dramas. Du coup, quand je suis en entretien, j'explique ça par le fait que je suis curieuse et en regardant des séries avec différentes langues, ça me permet de m'améliorer et d'apprendre différentes langues. Par exemple, là, je parle français, anglais, arabe, vu que c'est ma langue bilingue. Mais j'ai aussi des bases en turc et en coréen grâce aux séries. Et en fait, ça permet tout simplement de mettre en relation ce que vous aimez faire et ce que ça peut vous apporter dans votre travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, je vais vous parler des entretiens. Alors, comme d'habitude, je vous invite à regarder ma précédente vidéo si le métier d'assistante RH vous intéresse et vous souhaitez savoir c'est quoi les RH, c'est quoi ses missions. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude dimanche prochain. Soyez au rendez-vous.